Aujourd'hui, après plus de 12 ans ou 15 ans dans ma vie que je travaille, Dieu m'a béni. Parce que je suis patient. Et au fur et à mesure que les gens me détestent, c'est comme ça que moi je travaille deux fois plus dur, trois fois plus dur. Donc si toi tu me suis dans les réseaux sociaux, ça ne fait que me faire devenir dur et dur et dur et dur et dur. C'est comme ça que Dieu me bénit tous les jours. Dans même tout ce que tu veux, on y va. Moi je n'ai peur de rien. La jalousie dans les réseaux sociaux, ça ne me fait pas peur. Jamais de la vie. J'ai seulement la crainte de Dieu dans moi, pas la crainte de l'homme. L'homme, c'est qui? Moi, j'ai la crainte de Dieu en moi. Je crois au travail en Dieu. Et c'est comme ça qu'il m'a béni dans ma vie. Pas la sorcellerie, pas le maroboutisme, pas le nom d'un prêtre. Aujourd'hui, vous tous, vous passez tout votre temps à aller croire à les faux pasteurs qui utilisent les forces des démons. Tout ça, c'est les forces des démons qu'ils utilisent. Ce n'est pas le vrai Dieu là-bas. Le vrai Dieu vit dans chacun de nous. Même si on te donne toujours de magie, ça ne doit jamais exister. Et sois patient dans ta vie. Et chaque fois quand tu te réveilles, tu dis, Seigneur, merci pour cette journée. Merci pour tous les bienfaits que vous faites dans ma vie. Mais ne soyez pas satisfait. Allez dehors, cherchez à faire quelque chose. Soyez consistant. Nous devons être consistants dans tout ce que nous faisons tous les jours, jusqu'à on meurt. Tant qu'on ne meurt pas, on ne lâche pas. Jamais. Ce que la vie nous demande de faire là-bas. Tant que tu grandis pauvre, faut jamais lâcher. Faut travailler tous les jours. Quand tu te réveilles, tu dis merci Seigneur, tu y vas. Même si tu pars aujourd'hui, il ne te donne pas. Vas-y, au fur et à mesure que tu crois, tu pars tous les jours, Dieu va te donner. C'est comme ça ce que la vie nous demande là-bas. Pas la jalousie dans les réseaux sociaux. Dis donc. Et arrêtez-moi les conneries là.